Vas-y, go. Ah, bah si, bah c'est lancé, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? YOLO. On est de retour, les gars, on est de retour. Oui, retour, parce qu'on a interviewé nos amis de la team Michel Forever. Team Michel Forever. Alors, là, je suis avec The Sang. Alors, The Sang, tu t'occupes des plantations. Comment ça se passe, la vie à la ferme et tout? Hein, écoute, tu peux nous expliquer un petit peu? Est-ce que c'est dur comme ça? C'est un tube bizarre qui me parle, tu vois. Se lever le matin, donner à manger aux chevaux, s'occuper c'est des noms de ce truc encore. Est-ce que c'est pénible ou bien faire ça tous les soirs? Ouais, voilà, c'est un beacon volant. C'est bien, non? Tous les soirs, tous les matins. Mais je peux mettre. Sandek, je peux faire une pyramide de blocs de diamants, mettre Regen à fond avec le beacon et NP quoi. Je sais pas si vous voulez. Ça serait une bonne stratégie pour eux, je crois. Ouais, c'est ouais j'avoue. C'est pas mal pour donner la position aux autres. Surtout. Ouais, je trouve aussi. Ah, ouais. Ouais, il faudrait qu'on aille rechercher. Y a pas de sel hein, dans le truc qu'elle avait vu. Hein, parce que sinon, ce serait bien d'aller chercher les chevaux qu'on avait vu. Ah, d'accord. Donc, ce sont des salières ici. C'est pas des plantations. Non, mais franchement, en fait, Zod, il a eu la même idée que moi, quoi. Allons chercher des chevaux. Il y avait trois groupes de chevaux à côté de notre spawn, donc évidemment que. Bah, nous on a farmé. En plus, on était bien partis, c'est dommage en fait. C'est juste un qui s'est mangé. Des flèches de squelettes à un moment donné en mode YOLO. Ah, ouais mais ça nous a quand même donné un arc tout ça. Hein. Ouais, voilà, et on a failli tuer Megastero et Nassim. Eux, ils sont vraiment. Par contre, avec notre stuff, ils sont vraiment bien partis pour win, quoi. C'est clair, c'est clair. Parce que vous aviez quoi, les gars? On avait tout. On avait 11 pommes en fait, si tu veux. On a passé une bonne dizaine de minutes à choper des pommes. Eh hey, mais c'est un joli petit village, il y a même le puits et tout ici. Tu sais qu'il y a de l'or là. Vous aviez oh, putain, j'ai compris. Tu sais c'est quoi que Justin qui a fait boum tantôt? Quoi? Bah c'est un. Ah ça devait être QC. C'est quoi ici? Ah un puits. Ça devait être QC je crois. Ah sans deck. Ah mais je parlais qu'ils étaient avec Megastore et tout le machin et qu'en fait ils ont fait ah oh, y a un drôle d'amis dans le Nether et tout et QC et voilà il s'est ramené. Il s'est ramené pour regarder. Et du coup voilà c'est ça. C'était et ça, coup, cette voilà. Trace sur le sol. Coup, ah, quel petit salaud. Bah ouais, bah écoute. Non, c'est pas à cause de ça, mais... Je l'ai pas entendu, non, je sais pas c'est quoi en fait. Ah là-bas, il y a une vache. Hein. Alors, on les a croisés dans le Nether une première fois, et Justin s'est amusé à leur tirer dessus. Oui, c'est bien ça. et à un moment donné, ils ont piqué tout leur steak. Ah. Oui. Et ils ont disparu, clairement. Ils ont monté, et je les ai suivis, et puis après, je les ai plus vus, quoi. Il nous reste 6 pommes. 6 pommes? Bah, il faudra de l'or, quoi. C'est bien mignon, tout ça. Mais les villageois, on n'est pas dehors quoi. J'en avais... Ah ouais, d'accord. Ouais, mais d'accord. T'as pas un four? Mais vous faites quoi concrètement ici? Est-ce que vous êtes en train de vous stuffer ou bien je sais pas, vous êtes dans le village, vous vous amusez, je sais pas ce que vous foutez. Bah, et justement, on se baladerait pas pour voir s'il y en a pas d'autres? Ouais, allez. Et on donne pas de position, hein. Non. T'inquiète, parce que sinon je t'aurais déjà donné le beacon avec full regen. Parce que moi je sais bien que Johan, c'est un tricheur, hein. Bon, on va par là alors, c'est parti. Ouais, je te suis. Enfin, je te suis si je te perds pas de vue. Ou alors on peut faire un TP habito. Je vais faire slash TPA. Habito, il faut aussi. Bito. Non, il est c'est pas quoi bon. C'est comment qu'on fait la commande de TP? C'est slash TPA et tu mets le nom de gars. Apostrophe ou... Non, slash TPA. TPA. Quoi, habito est pas moi? Je fais TPA en amont? Non, non. Ouais, ouais, slash TPA. Je suis pas de Bito. Eh, hey, j'ai 13 pommes. Hey. MDR. Je suis toujours au même endroit pour l'instant. Ah! Eh! Hey. T'as vu où ils sont? J'ai 19 pommes. Bah oui, je sais où ils sont. Quoi, ils sont là où vous étiez avant? Ouais! C'est là où on a piégé, si tu veux. Et ça, est-ce que le piège a marché? Bah non. Visiblement, voilà. Si on s'est fait tuer par Megastero et tout, non. Antoine! Quoi? Diamond Pickaxe, Unbreaking 2, Efficiency 2. Pas mal. T'as une pickaxe en diamant, toi? Fais-moi une, Michel. Ah, peu plus. Mais on avait 6 diamants, qu'est-ce que t'as fait avec l'autre? Ah ouais, merde, Bah ça. Ouais, juste. Il me reste un diamant, quoi. Bon, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout faire ça. Et tu l'as fait à quel niveau? Ça se trouve, ouais. Hein. Oh, putain, vice. J'ai un breaking, quoi. Allez, va te faire foutre. Je fais pareil, hein. Putain, qu'il dit d'avoir un breaking 1, hein, quoi. Protection, hein. C'est quel niveau? Bah voilà, c'est déjà mieux. T'étais quel niveau? 13, j'ai eu 2 trucs. Bon, c'est pas mal. Hein, pas mal. Allez, je récupère la table d'enchant, je récupère tout le bourdel et on y va, quoi. Ouais, voilà. Mais prends pas ça avec ta pioche, hein, Michel. Mais non, pas avec ma pioche, j'ai ça. Bito, à un moment donné, il va voir un beacon qui apparaît. Tu as une table de craft sur toi, Toine? Bon, c'est pas grave. Ouais, j'en ai une. C'est quoi la position de QLD? C'était... Je sais plus. C'était pas moins 800 et quelques. Ouais, c'est par là.
T'as pris des graines, qu'est-ce qu'il y a bouffe bah, qu'est-ce que j'ai une quarantaine de graines, ouais. Nickel. Eh ben, je te suis alors. Hein. donne-le à Vito, Mario, on joue. Tu t'es refait une pomme, Antoine. Ouais, je me suis refait une pomme. Bon, ça. Parce que. Parfait, mais bon. Genre, j'ai 19 pommes sur moi. Il est mort. Encore. Troisième fois qu'il est mort. Voilà, j'en ai marre. Merci, jeu de merde. T'es quoi, toi, alors? Est-ce qu'il a lu, merde? Il va le lire, putain. Il veut pas lire. Il est mort. Il est mort. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de joueurs? Quoi, en fait, Antoine? Antoine? T'as mis quelque chose, Ju? Antoine? Antoine? Quoi? Bah, je suis derrière. On est les fantômes du swag, yo, écoute. Ouais, je te suis, mais je sais pas où est notre... Il me faut des panneaux. Oui, je vais lire. Mettons des panneaux. ils sont où, les panneaux? Putain, j'ai trop plus. C'est dans décoration, je crois. Laisse-moi y aller. Décoration, ouais, c'est là. Allez, viens. Vas-y, avance. Tu refermes? Nickel. Antoine? Attends, parce que j'ai un petit problème. Il y a une faute, mais tant pis, c'est pas grave. T'as une torche? Oui. C'est ça. Ah putain. Regarde ce que j'ai mis, signé. Oh, mais t'as fait un non, là c'est bon. Et c'est quoi, ouais, ça fight? Non, c'est bon, j'ai déjà. T'as combien de vie, toi? J'en ai 9. 9, c'est déjà mieux qu'avant. Ouais, j'étais à 1. Oh, origine, il a 1. Tu as des pommes sur toi, Antoine? Des pommes? Ouais, j'en ai 19. Bon, attends. Les pommes du sac. Ouais, on va faire ça, Raya, ok? Ce sera mieux. Ok, ils sont claqués, les deux là. Sérieux, waouh! Waouh! Un livre volant! T'as vu que... livre volant! Oh merde! Mais il l'a lu le livre ou bien? Attends, je peux t'envoyer un message privé, attention! Si! Message. Non, lui on voit pas parce que je suis sûr qu'il l'a et quand il le verra, il va se marrer. Écoute, on va aller voir d'autres gens. Je vais me TP, à Imhotep. TPA, c'est quoi encore? C'est Imhotep 56. Je me TP à toi, ça devrait fonctionner, non? Attends. TPA Imhotep, le joueur est entre... C'est Imhotep quoi? Imo. Là, on va les suivre un petit peu. Enlève le panneau de ta main, ouais c'est bon, c'est pas grave. Comme ça, il nous voit vraiment complètement invisible. Ah, ils sont vraiment au mur du bedrock. Ok. Je vais refaire un livre. Moi je mets un panneau. Attends, je vais faire un livre aussi, il faut que tu me dises comment on fait. Tu vas dans Miscellaneous. C'est ouais, le son de la... Un book and quill, ouais, c'est ça. Ok. C'est... Je dois faire quoi? Tu leur as donné? Non, pas encore. Moi j'ai mis un truc tout con, hein. J'ai mis « Nous sommes les fantômes du swag » signé « Ouh !» Non, bah, j'ai pas... Et le titre, c'est « Les swaggy ghosts ». Fais gaffe, ils nous voient. Ils t'ont vu. Imhotep, il est là. Il est avec qui? Ouais, je sais pas. Hehehehe
Ils osent pas les prendre. Imhotep, moi, viens dans la convo. Ok, ok, j'arrive. Allô ? Allô ? Allô ? Tu peux défoncer la gueule ? Quoi ? Défoncer la gueule. Mais genre, mais c'était complètement what the fuck, quoi. Je sais pas, mais... De toute façon, on est parti YOLO, mais on a eu beaucoup de cul, hein, ça qui est dommage, parce que... En gros, si tu veux, Megastoro... comment dire, on les a rencontrés dans le Nether, mais vraiment, on est rentrés au même moment, quoi. J'ai vu un four, ils avaient fait un petit trou dans le mur, il y avait le four en plein milieu, j'ai piqué leur steak, j'ai pété le four, j'ai continué dans le couloir, et c'était juste là, et du coup, je les ai shootés à l'arc. C'est pour ça que Megastoro est plus qu'à 5 points de vie, au moins qu'il ait mangé une pomme, je sais pas. Et voilà, j'aurais pu l'avoir comme ça. Ils avaient fait un escalier pour monter plus haut dans le Nether. Je suis monté, parce qu'on avait déjà les pierres en diamant, c'est tout. Et quand on est monté, bah, ils étaient partis. C'était plus là. Je sais pas comment ils ont fait pour se barrer comme ça, mais en tout cas... et ouais. Ah, Raya ! Raya ! Mais je crois que tous ces traits sont en train de crever, là. Ouais, bah c'est pas grave, écoute. Non, bah... Moi, je suis encore en train de prendre du plaisir parce que déjà je suis encore en train de record en plus, si tu veux, là, parce qu'on a fait on a interviewé Zoz et Raya parce qu'ils ont trouvé un village et ils étaient en train de faire leur petite vie pépère de leur côté, quoi. Et là on est en train de faire les fantômes du swag, si tu veux. Oh, voilà. Et allez, non mais c'est tous ces traits qui sont en train de crever. Ah GG. à l'aise. Non mais franchement, respect. Ça fait combien de morts ? Ça fait 1, 2, 3, ça... Ça fait 5. 5, 5. Et lui, en fait, il est... Ah, il a laissé SM4 tout seul, c'est dommage. Ah. Est-ce que t'as une freaking pomme qui traîne ? Non, je n'en ai toujours pas vu. Ah ouais, et du coup, Megastoro ont chopé les 11 pommes qu'on avait farmées pendant 10 minutes. Cool, hein ? T'aurais pas pu nous les donner, parce que là, on a... écoute, ah, si tu veux, je mets le beacon avec régénération 4. Non mais je veux pas faire ça. Non je veux pas faire ça, écoute. Ryloc vient de passer en spectateur. Ouais mais je vais pas tarder à les rejoindre parce que il va rejoindre la bande des fantômes du swag. Vous direct. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Bon, je peux te TP sur toi là ou bien... Attends, Justin t'es TP là? Vous êtes où? Eh, hey, y'a des gens ici. T'es TP? C'est... Non je suis pas TP. Et là c'est qui est? Là c'est là y'a quelqu'un, dedans. C'est t'es où, Origin of Night. Ah mais non c'est Core Silver et tout, donc ça va. Va y avoir un affrontement ici. TP-toi à moi, yo. TP-toi à moi, yo. Comment je me fais me TP à vous? TPA. Vas-y. Accept, Michel. Allez. Accept. Voilà. Oh. Moi j'ai toujours pas. Redemande le TP, yo. Y'a Black Guster. Ça fight. Imhotep est mort. Ah, Imhotep est mort, putain, je suis deck. Oh non, je venais à peine de leur... Voilà. J'arrive pas. Si, vas-y. Et attends. Ah. Zamalia qui va faire le fist. Aïe. Est-ce que c'est vous? Zamalia est mort. Donc il reste quoi? Il reste qui là? Il reste Black Guster et... Et Zamalia. Ah, GG. Et il restait qui en fait de sa team à Black Guster? Reste Zamalia. Et qui a tué Zamalia? Non, Zamalia il est là. C'est qui a tué Black Guster? Black Guster, ouais, il est là aussi. Oh. Non, ils sont encore là, c'est encore une team. Voilà. Je te vois pas, c'est qui est mort alors? Attends, je vais leur faire un petit coucou, tu sais. Ouais, d'accord, mais lui restait un point de vie, lui le. Popopo! Bon, bah voilà. Tu m'as dit de revenir, hein? Bah écoute. GG, les gars, c'est con quoi. Ah, bah faut que je mette un petit truc du swag. J'ai pas tilté que c'était pas mon copain. Je vais leur mettre un petit livre, Le fantôme de Silver. Pour faire simple, on fait que je suis pas en position pour négocier. Bah vous hantez pour toujours. Les équipes meurent, enfin ça meurt par équipe, c'est... Au moins, enfin je préfère un classement équipe, ça serait mieux. Une malédiction. Ouais, peut-être aller filmer Québec. Attends, je sais pas où sont les gens. Voilà, j'ai mis la malédiction. Il Silver va vous hanter pour toujours. On est en train de foutre plein de panneaux sur le truc. Rialog vous soutient, c'est bien ça. Et GG sur Geekghost, c'est bien ça, c'est bien. Bien, j'aime ça. Ils sont dans un village PNJ, ces enfoirés, ils ont trouvé une forge. Ah ouais. Waouh, ils ont. Ils ont quoi? Tu l'es. Putain, ouais. Bon. Swag sont. Passer je fais rien, sérieux. Par là.
Voilà, bah GG les gars, mais c'est con quoi, je venais à peine de vous parler, je me barre, puis après, caca dans la bouche quoi, GG. Ça fait mal hein. Bah ouais, mais c'est bizarre, je pensais que vous étiez barré de l'autre côté, dans la forêt et tout, du coup je me suis dit c'est d'autres gens quoi, mais j'ai fait, ah non c'est Origin of Night. Moi je l'ai suivi. Ah ouais, mais c'est cool. C'était pas lui en face de moi, donc moi j'ai avancé bêtement, et en fait je me suis fait défoncer. J'ai vu ça. Mais Origin of Night, je sais pas, il avait que 5 pics. Ouais. Ah ouais, ils ont quel stuff en plus ces gens-là. Ah ouais, ils sont franchettes. Pour les faire baver, ils vont se jeter dessus, mais comme des malades. Je vais le casser juste avant. C'est violent, quoi. Ah, ils sont en train de jeter votre stuff. Ah, comme c'est méchant et tout. Ah, oh mon dieu. Ah, ils ont le livre, tu vois. Il a le livre. Il est en train de le lire, tu vois. Il est au moins en train de le lire, c'est cool. Et il l'a acheté maintenant. Ah non, il l'a toujours pas acheté. T'es où, toi? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il y a ANK et Mr. Kiwix. Et les autres, ils sont où? T'as dit qu'il y avait une autre team quelque part. Ils vont arriver. Tu vois, c'était Zamaya et Blockbuster, là. Ils vont arriver. Ah ouais, ils viennent de là où ils étaient, ils vont arriver. Ils veulent aller en 0-0. Mais ils vont arriver par ici. Slash TPA, en un mot, et puis... Vous êtes où, les gars? Ah ouais, juste vous. Accepte, mec. Et putain, mais attends, il faut que je tape la commande, hein, Michel. Qu'est-ce que je sais que c'est délire, son deck. T'es où? Je suis en train de mettre un panneau fantôme du swag. J'aimerais qu'il me voit pas le mettre le panneau, parce que sinon c'est pas vraiment fantôme du swag. Voilà. Down the road. That's close. J'ai mis un panneau swag. Bon, où est-ce qu'ils en sont, eux? Oh, il y a une pyramide là-bas. Down the road. Justin, moi j'ai mis un panneau Swaggy Ghost. $20 in my pocket. Ils sont plus là, hein. Ils arrivent, ils sont là. Là. Ils sont juste ici. Ah, ils vont arriver au village. Oh, ils arrivent. Putain, ça y est, je les ai paumés. Tu les as paumés aussi, hein. Ouais. Je prends un panneau volant. Merde, je les ai paumés. Ils arrivent au village, ok, mais ensuite, parce que tu vois, ils ont quitté le village, les deux autres. Ah, t'es là, Zoz. Ils ont quitté le village, ils sont où les autres? Pourquoi je vous vois pas, vous deux? Bah, parce qu'en fait, c'est par team. C'est par team, hein, d'accord. Et y'a un autre mec avec un bouquin de quill. Ouais. C'est toi, Raya? Toi aussi, non, tu prends le bouquin de quill? C'est Tuza, je pense. Non, non, moi j'ai pas. Parce que moi, je vois Tuza normalement. Donc, c'est Zoz qui a un bouquin de quill. Non, moi j'ai rien, en main. Bah pourtant y'a quelqu'un avec un bouquin de quill. Y a... Alors c'est peut-être Silver. Moi je le vois aussi. Mais putain, Raya! Super Mario il est encore à 0, j'ai l'impression que... Ah non, d'accord. Mais pourquoi tu fais ça, Raya? Ah, mais c'est gentil. Tu fais une bite en cobble? Non, non, t'es déjà là. Je sais pas qui c'est qu'il a mis là. C'est toi qui fais une bite. On les a perdus, quoi. Ouais, ça fait chier. À qui on pourrait stepper, yo? Habito, on va revoir Habito. Slash TPA. Ah waouh, ils ont chopé les potions là. GG. Ils font les potions de force. Bien. Attends, vas-y, TP accepte. Voilà. Zaldak. Oh putain, ils ont chopé les potions. Pas mal. Gauche. Raya, tu veux venir peut-être? Ouais. Mais ils sont où? C'est 260% d'attaque dommage. Oh putain. Ce que j'ai mis, attends. Alors, les fantômes du sac vous accordent le prix Nobel de la violence YOLO Fantomatique Swaggy en l'honneur de vos potions de force trop kawaii. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Signe. Kawaii. Oh, Nihon. Si, si. Ça, j'ai mis. Mon dieu, t'as pas encore arrêté en fait. Nihon Kawaii. Voilà. Vous êtes où? Nihon Kawaii. Donc, ils sont où les enfants? Ils sont ici. C'est quoi ce panneau là? Les fantômes du swag. Et Michel Cos vous souhaite bonne chance. Vous souhaite bonne chance. Mais GG. C'est bon, il a eu le livre. Il a eu le livre. C'est bon. Il a eu le livre. Merde, c'est une pause. Ah oui, c'est une pause. Voici une. Il va demander qu'on soit jarté, Thibaut, tu vas voir. Une orchidée, trop. J'irais bien en 0-0 pour le Lulz. Pour un peu si Swick. Elles sont belles. C'est Yann.
jus, viens voir ici, viens voir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Elles sont belles, ces lianes, Swaggy Ghost. Putain, t'as mis quoi, Ryan? Les go, les Michel Ghost aussi. Putain, comment t'as écrit ça? C'est ça que... Vous souhaite... Bah quoi? Bah souhaite, ça s'écrit pas avec... Ah ouais, chouette. J'ai mis quoi? Chouette. Mais quoi, vous souhaite bonne chance. Mais c'est S-O-U-H. Tu fais absent, on va se faire confiance et à minuit 30 on se retrouve en 0-0. J'ai retrouvé Koupakari et Mr. Kiwix. C'est vrai ? Ils sont en 0-0. Ah ouais, tout simplement. Bah tapez toi sur moi, tu verras. Je te verrai à grande tour avec les 4 panneaux swag. Et à Zos. Sérieux les mecs ? Voilà, regarde la grande tour et les 4 panneaux swag. What the... Non, c'est quoi ce délire ? Ah, c'est eux qui l'ont fait. Attends, j'arrive. DLD, vas-y, tapez-moi. Putain, slash TP, accept. Ils ont pas ramassé. Tu sais que le livre, ils l'ont jeté, jus. Ah ouais ? Ouais. Bah, le truc, c'est quand même, c'est qu'il faut être discret un minimum. Bah, bon... Mais moi, j'ai été discret, hein. J'ai pas quoi. Ils savent pas que. Y'a encore personne qui peut. T'as vu le livre tomber de là ? Qui c'est qui fait tomber des trucs ? Mais en fait, tu vois, ils lisent. Moi, je fais. Je fais. C'est enchanté, en fait. Non, je pense pas. Mais vous restez avec le panneau à la main et tout, du coup ils voient des panneaux qui volent les gens. Ouais, mais y'a rien hein. Ouais, mais moi je mets la main vide quoi, quand j'écris un truc je vais loin. Ou alors j'ai vraiment un endroit où ils voient pas quoi, mais bon... Je sais pas pourquoi ils restent là en fait, Mr. Kevix et machin, t'sais. Moi je trouve que je suis le centre de l'équipe. Ah non. Là j'ai un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a là, quoi, fait sans deck. Pourquoi y'a une croix de Jésus dans le ciel? Ouais, c'est ce que je me demandais aussi, mais bon. C'est quoi? C'est qui balance des feux d'artifice, Landek? Pas moi. C'est pas toi? Non. Ça doit être Imhotep, alors. Non, c'est quoi les blocs de vie à moi et tout le machin, là? Eh, y'a un mec, là. Eh, c'est Zeldak, regarde. Y'a un livre ici, c'est quoi ce livre? Bonjour. Non, mais stop avec les diamants, quoi, enfin, je sais pas. Quoi, ils donnent bonjour, des diamants? Mais non, ils sont en train de mettre des blocs en diamants, ça sert à rien, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Et regarde, ici, y'a Zeldak. Regarde. Où? Et y'a Bito. C'est là qui est Bito ici. Oh, yeah. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est pas possible. To a new way. C'est short, quoi. New way. Ouais, c'est très short. To a new way. Oh. C'est toujours aussi short. Using my active. Non, ça va. Using my active. Et eux, ils ont des feux d'artifice, on explique comment. Putain, Raya, je t'en prie. Qui s'amuse avec les feux d'artifice, franchement. Using my active. C'était une bonne idée, ces feux d'artifice. Je me demande s'il y a une autre idée. Par contre, Thibaut et Zeldak, sans doute. Hein. Très certainement. Ouais. Ouais, regarde ça. Ouh. Enfin, c'est pas passé loin. Oh. Using my heart. Ils vont passer, hein. Using my heart. Regarde. Comment tu fais? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est, le poulpe? Oh, il vient d'en faire tomber un. GG Thibaut. Oh non, il est tombé dans l'eau. Il est encore là, le poulpe? Non, c'est un deck, et putain, je vois plus. Ah, leur suif, c'est bien. Enfin, ouais, leur suif. Le mec, il a eu de la chance, il est tombé, mais dans l'eau, quoi. Il s'est fait prendre par la flèche et il est tombé dans l'eau. Oh putain, mec. Oh, putain, oh, je suis deg, j'ai plus. Oh, il reste 4 points de vie. J'ai plus mon poulpe. Ah, il est là! Oh oui, il vient de clamser. Oui! Oh! GG. GG. Tu vois, on a bien fait de rester. It was doomed to fall. Using my active. Et l'autre, il est parti. Ah, j'ai envie de refaire le poulpe volant sans deck. C'était toi aussi, regarde. Les poulpes. Oh putain, les chiens. Un poulpe. YOLO. Un poulpe. YOLO. Yolo. C'est quoi le poulpe? C'est le squid. Ouais, c'est squid. Il y a des poulpes. Ah non, c'est abusé ce troll sans deck, non. Non, non, faites pas spawner plein de poulpes, vous êtes cons, vous. Putain, arrêtez. Non, mais non, ça non, va, non. Ils meurent tous en tombant. Oh putain, non, 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 allez. Non, c'est bon, c'est bien d'avoir des esprits décalés avec quand même. C'est qui a mis des poulpes dans l'eau, en fait? Y'a quelqu'un qui a mis trop des poulpes dans l'eau. Bah, je sais pas, mais moi je voulais juste mettre un poulpe et le lier à moi, par les liens du destin. Oh.
un poulpe blanc, quoi. Comment on fait, elle est où la canne à pêche? C'est avec... Pourquoi j'ai du quartz, merde? C'est pas la canne à pêche, c'est si tu veux, c'est comment dire? La laisse. C'est la laisse, ouais, c'est la laisse. Comment la laisse? Ah d'accord, je comprends pourquoi il meurt le poulpe, parce qu'il est sous l'eau. Ouais, je vais faire autre chose alors. Quand les cochons voleront, dit-il. Voilà, les cochons volent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je mets le poulet devant toi. Il y a un bouton, un cochon. Allez, faut qu'il le voit, je sais pas, merde. Quoi. Putain, elle est quoi? Ah ouais, ils arriveront jamais à se concentrer avec tout ça, tu sais. Tout le monde en spec a fait la même chose, regardez les gars. Oh, il y en a qui en a mis plusieurs, ça mec, oh, c'est bon ça. C'est moi, les poules. Moi j'ai le cheval, la vache et le poulet. Putain. Oh putain. Oh oui, il y a la vache qui est morte. Sans deck. Apparemment, il y a quelqu'un qui tape. Regardez les gars. C'est quelqu'un en invisible qui tape, c'est pour ça. Je peux pas parler. Regarde le nombre de poulets qu'il a en vrai. Tous les poulets. Oh putain. Sans tout ce qui tape là, la vache. Regarde, ils sont en train de bondir comme ça. Oh putain. Quelqu'un avait une écurie. Oh putain, non. Oh putain, c'est chaud. Mais y'a quelqu'un qui tape dedans. Regarde ça. C'est quoi ce bordel? Ce sont des chevaux. Y'a des chevaux partout. Oh putain. YOLO. Bon, en fait, voilà. J'ai fait ça. T'as fait quoi? Je suis allé très haut et j'ai annulé le vol. Non. Oh mon dieu, mais c'est qui le mec qui a fait ça, quoi? Non. Mais qui a... Mais franchement, allez, qui a fait tourner les animaux dans les airs? Putain, j'en ai marre.